Si malheureusement la duchesse de Cambridge n'a pas connu sa belle-mère, la regrettée Lady Di, on peut parier que les deux femmes se seraient fortement appréciées. Même implication dans les œuvres de charité, même amour des enfants et même élégance discrète, Kate et Diana auraient eu beaucoup de points communs. Look de circonstance. Ce 18 mars, la maman de George et Charlotte a inauguré une boutique Kitsch pour East Anglia Children's Hospice, qui revend des vêtements et accessoires d'occasion au profit de l'association. Souriante et très à l'aise avec les membres du personnel et de l'association présents sur les lieux, la duchesse de Cambridge était comme à son habitude très élégante. Mais pas d'étalage de luxe pour ce genre d'événement. Kate portait un de ses manteaux fétiches griffés M. Missoni et des escarpins Zara. Ce n'est en effet pas la première fois que la duchesse de Cambridge porte ce manteau bleu. Ses premières apparitions publiques avec ce vêtement remontent à 2012. Loin de vouloir jouer les shopping addicts, l'épouse du prince William n'hésite pas à recycler ses tenues préférées et ne boude pas les grandes enseignes du prêt-à-porter. Cheers.